L'économie des émotions, ça porte sur la façon dont les économistes intègrent les émotions dans les analyses économiques et éventuellement dans la manière de faire de la politique économique. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que ça pose la question du rapport de l'émotion à la rationalité dans un domaine où les économistes, effectivement, pensent que les individus sont parfaitement rationnels. Alors au départ, dans les années 50, les émotions étaient mobilisées justement pour essayer d'expliquer des paradoxes expérimentaux, notamment celui d'Allais, celui de Ellsberg, qui montraient effectivement que les agents économiques n'étaient pas en accord avec la rationalité, la manière de comprendre le comportement dans un univers incertain. Et donc en mobilisant par exemple des économies comme le regret ou comme la déception, on montrait effectivement qu'on pouvait réexpliquer ces paradoxes. Mais en fin de compte, c'est plus compliqué que ça, parce que la littérature d'après a montré que les émotions, c'est aussi en lien avec l'inconscience, c'est en lien avec les croyances, et c'est en lien avec la question de la mémoire. Et donc, on tourne vers des comportements qui sont beaucoup plus difficiles à expliquer pour les économistes. D'où l'idée, effectivement, d'intégrer des éléments de la psychologie des émotions pour essayer de mieux comprendre les comportements des individus aujourd'hui. Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est effectivement une dimension qui peut être de prédiction, mais aussi d'explication, au travers de l'explication, c'est-à-dire en mobilisant des tâches expérimentales dans lesquelles des sujets vont travailler, par exemple, sur une tâche de coopération, de négociation, ou même en lien avec le risque, et essayer de voir effectivement comment, en induisant des émotions chez des individus, comment cette induction des émotions, cette mise dans un état émotionnel particulier, va modifier leur comportement. Et puis la deuxième dimension, c'est la dimension de politique économique. À partir du moment où on imagine que les individus ont des émotions et qu'ils ne sont pas toujours rationnels, eh bien la politique économique peut utiliser d'autres outils que éventuellement la sanction via la taxation ou la subvention pour intégrer d'autres types d'outils qui feraient eux-mêmes appel aux émotions et qui pourraient canaliser des comportements qui seraient plus bénéfiques pour la société. Par exemple, des comportements pro-environnementaux ou des comportements qui feraient que les agents sont plus soucieux de leur santé. Donc la deuxième dimension liée au rôle des émotions dans l'activité économique, ça peut être lié au rôle du politique économique qui intervient vers ce qu'on appelle le paternalisme émotionnel. Et il y a une étude qui est intéressante à ce sujet-là qui visait à voir comment on pouvait utiliser des simples émoticônes avec un sourire souriant et un sourire triste pour essayer de mobiliser les individus pour les conduire à réduire leur consommation d'électricité. Les chercheurs évaluent le niveau d'électricité, la consommation moyenne. Ils envoient aux acteurs du quartier ce niveau de consommation moyen et le leur. Et les agents économiques, les agents économiques répondent en fonction de leur niveau de consommation. Lorsqu'ils sont au-dessus, ils ont tendance éventuellement à le diminuer pour essayer de faire des économies d'énergie. Puis lorsqu'ils sont en dessous, en général, ils ont tendance à ne rien faire du tout, ou éventuellement ils ont tendance à l'augmenter. Et la mobilisation des émotions, ça a été justement que de neutraliser cet effet boomerang qui fait que les agents économiques ont tendance à augmenter leur niveau de consommation lorsqu'ils sont en dessous de la moyenne, par un biais de conformisme, parce qu'effectivement l'émoticône envoie un message d'approbation ou de fierté. Alors qu'inversement, on voit que il y a une amplification de l'effet de comparation, de l'effet comparatif, lorsque effectivement on envoie un émoticône de réprobation ou de tristesse ou éventuellement de colère, de façon à ce que les individus diminuent d'autant plus leur niveau de consommation. Donc ça, c'est quelque chose qui a assez bien marché. D'abord, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis et en milieu naturel et qui a montré effectivement l'efficacité d'un certain nombre de politiques plus actives qui ne jouent pas donc sur la sanction, sur la taxation, sur la subvention, mais simplement sur la norme. Qu'est-ce que c'est que la norme? Qu'est-ce que c'est que l'approbation? Qu'est-ce que c'est que la désapprobation? Donc c'est un travail universitaire qui a été assez utile pour cela, et d'autres travaux sont un petit peu dans ce lien, dans le courant, par exemple dans le domaine de la santé.
Alors, l'un des intérêts récents aussi de la prise en compte des émotions chez les économistes, c'est la prise en compte des émotions morales, par exemple la culpabilité, la honte, mais aussi la colère. Parce que cela a conduit à remettre en cause non pas l'hypothèse de rationalité, mais la deuxième hypothèse fondamentale pour l'économiste, qui est de dire que les individus sont égoïstes et qu'ils sont à la recherche de l'intérêt personnel. Et en fin de compte, on a montré qu'en mobilisant les émotions morales, eh bien, on arrivait à motiver des comportements qui ne sont pas à la recherche, uniquement à la recherche de l'intérêt personnel, mais qui peuvent être effectivement des comportements prosociaux comme la coopération, la confiance, le sens de l'équité ou éventuellement la réciprocité. Et donc ça conduit à la fois expérimentalement à montrer cela, que les émotions morales, l'induction d'émotions morales peut conduire les individus à être plus coopératifs. Et puis ça aussi a une conséquence très forte sur la modélisation en économie, parce qu'on a des modèles qui sont plus uniquement tournés vers l'intérêt personnel, mais des modèles qui sont tournés vers ce qu'on appelle des comportements prosociaux, des comportements effectivement de coopération, d'altruisme ou de la recherche de l'équité.